Dan, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo découverte d'un petit jeu sympathique qui s'appelle Interstellar Marines. Et super assemblée, merci beaucoup. Et donc voilà, donc là je pense qu'on va faire le single player juste histoire de voir ce que c'est. On vient de le faire. On va faire la campaign. On va faire de la campagne. C'est très sympathique. Mission update. Star Crown Aerospace is ITO's largest supplier of space avionics and research. In preparation for their next project, we've been assigned to test the security of Star Crown's main research and development facility. Infiltrate the compound, locate the vault inside the research laboratory, and download the schematics of the program. Ouais, ok, d'accord. Mais en français, ça donne quoi? Je suis en virilo, sérieux? Show FPS, ok. Ok. Ce jeu a l'air pas mal, hein. Oh. Je découvre les touches aussi, hein. Faut dire ce qu'il y a. Je découvre le jeu total, hein. J'ai jamais joué. J'aurais dû faire le tutoriel avant. Ok. Ok, donc là, pour l'instant, ça peut aller. Warning, I have picked up a dispatch for reinforcements. This key card unlocks the main gate and the outside storage area. This is a large facility. A viable tactic is to divide your team to cover more areas. Okay. Stupid people par là. Il y a du Ok, j'ai pris des balles, je suis dans le mal là. A chaque fois que je prends des balles, en fait, j'entends bizarrement en fait. Ah merde, j'étais en train de recharger, je pouvais pas. Je me suis fait démonter, frère. Y'a pas le robot là. Ouf, j'ai peur. Bon allez, c'est parti. On va les prendre. This key card unlocks the main gate and the outside storage area. Oh le bâtard, ils sont apparus devant moi, frère. Tu la trouille. Ah, il m'en fout, tu la trouille. Oh putain. Ok. C'est bon, on a éliminé les... Parfait.
gate to the main research building is controlled from the security building at the center of the facility. Security building est quand même bien gardé. Ça doit être ça, à mon avis. Ok. Oh, il y a un autre mec là. Ok, j'atteins un succès. Ah merde. Mais juste en haut. Il y a un mec juste en haut, les gars. Il est en train de courir, vous entendez? Ah, je crois qu'il est bugué. Ok, il n'y a plus personne. Il était bugué. C'est pas la porte. Ok, c'est bon. To access the labs in the basement, you first need to retrieve a key card from the office's area on the top floor. Bon, j'ai plutôt pas mal pour l'instant là. Là, c'est vrai, je parle vraiment pas beaucoup là, mais bon, je ferai des petites coupures. J'ai des baisses d'FPS, des fois c'est bizarre. Je l'ai démonté, frère. Infiltration totale. Oh non! Non, mais genre... Ah... Non... Bon, mais c'est une petite... sur une défaite que la vidéo s'arrête là, bien sûr. Tant pis, je retenterai pas... Ouais, non, je retenterai... C'est méga relou, en fait. Ouais. Ce jeu, franchement, j'ai pas trop accroché, c'est dommage. Il est pas très très top. Tu peux te taire, madame. Madame, je dis au revoir, là. Madame! Elle ne me respecte même pas. Bon, c'est sur cette défaite que je vous laisse, les amis, parce que ce jeu, je ne croche pas trop. C'est dommage, dommage. Franchement, il avait l'air plutôt sympa et tout. Mais ce jeu, je trouve vraiment... Enfin, c'est pas mon truc. Vraiment pas mon truc. Bon, bah, c'est une vidéo découverte sur, sur un petit jeu gratuit sur Steam depuis quelques jours. Mais qui, enfin, gratuit bien sûr,
pour un tout petit moment. Donc je vous dis à la prochaine, les amis, pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir. Je vous dis à la... pour une... encore pour la troisième fois, je crois. Ciao, bye bye.